Nous sommes au quartier Plaque à Nador à Bobo. Ici, depuis quelques mois, les ordures se sont invitées dans le quotidien des populations. Mariam et Angeline, toutes deux habitent cette cité. Elles disent à ne pas comprendre la présence de ces bacs à poubelles en plein milieu du quartier. Franchement, qu'ils cherchent un autre dépotoir, qu'ils enlèvent les poubelles là. S'il y a un autre coin qui vraiment qui dépose ça là, parce que là, ça n'arrange pas le quartier. On n'arrive même pas à respirer. Et puis on a commencé à sentir des démangeaisons. Ça fait que le matin, même quand il te réveille, c'est l'odeur qui t'accueille d'abord. Des vendeuses de pain et d'articles divers, affectées elles aussi par l'installation de ces grosses poubelles à quelques mètres de leur commerce. Quand il pleut, l'odeur vraiment, c'est nauséabond. On ne peut même pas respirer. Ça fait que moi-même, j'ai perdu ma clientèle. Même ce matin, même, j'ai un client même qui a eu à me dire que je ne mange pas. C'est pas parce que tu n'es pas propre, mais à cause de la poubelle. Moi, je ne veux pas venir m'arrêter à cause de la poubelle. C'est pas normal pour même un poubelle dans un quartier. Quand il pleut là, ça gêne. Il y a trop de mouches. Une situation qui, selon les habitants et les opérateurs économiques, est nuisible à leur santé. Un matin, on a trouvé que tu pouvais déposer là. Donc la population souffre. Voilà, on n'a même pas aspiré. Depuis l'arrivée de cette poubelle-là, il y a des enfants qui tombent malades, fièvre, typhoïde, tout ça. Il y a des diarrhées chroniques même. Des bacs à poubelle en plein centre d'une zone habitée, méconnaissance ou négligence, difficile d'y répondre, reste alors une chose, retenir son souffle et espérer une amélioration de la situation.